Bonjour tout le monde, je m'appelle Aurélie Petit et je suis en charge du service client chez Templay. Dans ces différentes vidéos, je vais vous expliquer comment fonctionne notre application, donc comment la télécharger sur vos différents appareils, comment naviguer dans notre boutique et comment utiliser les différentes fonctionnalités des partitions interactives que nous proposons. L'application Templay est disponible pour iPad, pour iPhone, pour les appareils Android également, sur les tablettes et sur les smartphones, et nous avons aussi une application pour les ordinateurs PC Mac. Pour télécharger notre application depuis votre iPad ou votre iPhone, vous devez vous rendre dans l'Apple Store, taper Templay dans la barre de recherche, vous allez voir notre application apparaître. Vous pourrez la télécharger en cliquant sur le bouton à droite. Pour télécharger notre application sur tablette et smartphone Android, vous devez vous rendre dans Google Play, taper Templay dans la barre de recherche. Vous pourrez ensuite cliquer sur Installer en haut à droite. Une fois l'application téléchargée sur votre appareil, vous arrivez donc sur cette page et là vous avez deux possibilités. Soit votre école prend en charge votre abonnement et dans ce cas vous avez reçu un email de notre part avec vos accès, adresse email et mot de passe que vous pouvez entrer en cliquant sur « Se connecter » et non pas créer un compte en bas de la page. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez cliquer sur « Créer un compte ». Pour créer un compte, vous devez entrer une adresse email et un mot de passe dans les champs indiqués. Ensuite, vous pouvez cliquer sur « Créer un compte ». On va vous demander de sélectionner votre instrument, ce qui ne vous empêchera pas de télécharger des partitions pour d'autres instruments. Vous sélectionnez votre niveau. Lorsque vous êtes professeur, vous cliquez sur « Je suis professeur » et on va vous demander de compléter vos informations personnelles, nom, prénom et établissement dans lequel vous travaillez. Ces informations sont obligatoires si vous souhaitez accéder à nos offres et notamment à nos réductions sur les abonnements pour les professeurs et les élèves, ainsi que le partage des annotations et des enregistrements que j'expliquerai dans une prochaine vidéo. Pour utiliser Templay sur votre ordinateur PC Mac, vous avez deux possibilités. Soit passer par notre site internet templay.com. Dans ce cas, vous aurez besoin d'une connexion internet pour lire les partitions interactives. Soit en téléchargeant notre application disponible pour PC Mac si vous souhaitez jouer sans connexion internet. En haut à droite du site, vous retrouverez l'onglet « S'identifier » ou l'onglet « Créer un compte ». Donc dans le cas où vous avez déjà vos accès, vous pouvez rentrer à nouveau votre adresse email et votre mot de passe pour vous connecter. Une fois connecté, vous arriverez sur cette page sous mes partitions où vous verrez un certain nombre de partitions gratuites à tester pour votre instrument. Ensuite, si vous souhaitez utiliser la version web de Templay, vous pourrez aller dans Boutique et choisir votre instrument dans la liste qui est proposée. Vous pourrez également accéder au catalogue complet de partitions directement depuis votre compte et pour votre instrument sélectionné par défaut. Là, vous verrez la liste des partitions s'afficher devant vous que vous pourrez filtrer par niveau de difficulté, compositeur ou style de musique. Vous pouvez cliquer sur l'image d'une partition pour voir tous ses détails. Là, avec votre accès illimité Templay, vous avez deux possibilités. Soit jouer la partition si vous ne souhaitez pas l'ajouter à votre compte, soit l'ajouter à votre compte sous « Mes partitions ». Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous pourrez retrouver la partition téléchargée dans votre compte Templay sous « Mes partitions ». Vous pourrez lire votre partition en cliquant sur « Jouer ».
Pour télécharger notre application PC Mac, vous devez rester sur le site internet de tomplay.com, aller sous Mes partitions, cliquer sur le bouton Télécharger l'application. Là, le fichier d'installation va s'installer en haut à droite si vous êtes sur Safari. Vous pourrez ensuite retrouver le fichier d'installation ici et cliquer dessus pour poursuivre la manipulation. Si par contre vous êtes sur Google Chrome ou sur Edge et que vous lancez le téléchargement de l'application, celui-ci va se faire en bas à gauche de votre écran. Vous pourrez ensuite ouvrir le fichier d'installation, suivre les différentes étapes qui s'affichent à votre écran. Une fois que c'est fait, vous pourrez retrouver l'application TomPlay dans vos téléchargements ou sous application. L'application va s'ouvrir. Et vous arriverez sur le menu « Se connecter » ou sur le menu « Créer un compte ».